après leur quart de finale bien négocié. Ces deux équipes se retrouvent donc opposées en demi-finale. C'est le match aller que nous allons suivre ensemble. Restez avec nous, car dans un instant, le Real Madrid affrontera le FC Barcelone. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid, le stade Santiago Bernabéu. On change pas l'équipe qui gagne, bien sûr. Renato Carmenes pour vous commenter ce match. La demi-finale aller, avec cette possibilité hein, pour l'une des deux équipes de prendre une option sur la finale. Le Real Madrid contre le FC Barcelone. Voilà deux équipes qui ont deux fois 90 minutes pour s'offrir une place en finale. Faut pas passer à côté de cette double confrontation. Le début de ce classico, Pierre, depuis le temps qu'on en parle de ce match. Ah, ça, les Barça-Real ou les Real-Barça, j'en ai jamais manqué. Hein. Alors pourquoi aujourd'hui? Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Attention, parce que la contre-attaque se poursuit. Et c'est un corner pour Barcelone. Le temps de ce corner. Busquets. Retrait dans l'axe, c'est dangereux. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Oh, c'est pas cadré. Il s'est posé trop de questions et comme il n'est pas très intelligent, bah c'est raté. Le prodige français qui vient de Mbappé. Génie français. Ah oui, génie. Génie français. Génie, enfin, il y a un peu les deux là. Il faut mettre celui-là. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Et corner frappé par Joshua Kimmich. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Van Dijk. L'ouverture. On cherche des solutions là. Poteau. La touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Cristiano Ronaldo essaie de donner ce ballon. Et c'est intercepté. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Paolo Dybala, le bon ballon en profondeur. Et c'est pour le gardien. Très appliqué, hein, Kimmich. Un bon arrêt tranquille sur cette tête. Antoine Griezmann. Je vais donner sur l'aile. Mbappé. Félix, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. João Félix. Il passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Arthur.
sur l'aile. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Et il élimine son vis-à-vis. Le centre adressé vers Griezmann. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. L'action qui se poursuit. Kylian Mbappé. Et le but du Real Madrid. La détermination, la lucidité aussi, tout était réuni pour cette action d'œil au bout. En plus, le gardien a été un peu lâché par sa défense. Le but encore, mais sur une autre angle cette fois-ci. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Qui récupère la balle. Et l'attaque va s'arrêter là. Arthur. Casemiro. Sergio Busquets. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement 2 minutes. Est-ce ce ballon qui traîne? Vers le but. Il essaie de trouver la faille. Il va chercher quelqu'un en premier poteau. Un gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. La première période de cette demi-finale aller et qui s'achève donc. Et ils vont prendre le dessus sur leur adversaire pour le moment. Bon, maintenant, c'est une question de gestion. Et Pierre, un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. On peut dire qu'il a réussi une bonne première période, il n'est pas non plus irrésistible, mais s'il revient avec des bonnes intentions, il pourra faire mal au retour. Le début de ce classico, Pierre. Allez, c'est reparti. Pour 45 minutes dans cette demi-finale aller. On va voir si on part sur les mêmes bases qu'en première période. Casemiro. Sergio Busquets. Voici. Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo. L'ouverture bien sûr, et il gagne quelques mètres, il repousse le tir. Cristiano Ronaldo, Young, Kylian Mbappé, une frappe lointaine, pourquoi pas. Et magnifique, la claquette de Ter Stegen. Le corner frappe, le gardien qui repousse le corner. Le tir. Ouais, bien joué le gardien. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ousmane Dembélé. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Young. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Complète séquence de passe de Barcelone. Ça partait bien, mais c'est intercepté. João Félix. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Ah, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Griezmann.
Un coup franc pour le FC Barcelone. Il a décidé de sortir deux joueurs du banc en même temps, l'entraîneur du Barça. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Griezmann. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ah, c'est une occasion nette qui s'envole. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Encore un bon ballon. Il s'infiltre, attention. Arthur. Lyon, alors on peut l'égaliser là. Et oh le but! Oh le but de l'égalisation! Une égalisation qu'on a senti venir là, vraiment, des occasions comme ça, bah, il faut savoir en profiter. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et ils égalisent donc un but partout. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Sergio Busquets. Clément Lenglet. Bien donné encore une fois. Casemiro. Arthur. Sergio Busquets. Ah, le Real qui récupère la balle. Le bon pressing. Le coup de sifflet final, c'est pour bientôt. Toujours match nul ici. Ce junior. La passe est coupée et bien défendue. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Lionel Messi. Paris Marcin. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Qu'est-ce qu'il va faire là. Vinicius Junior. L'ouverture. Voilà ce match aller qui se termine sur ce score nul. Tout reste possible pour les deux équipes. Oui, c'est un résultat logique, tellement l'écart est faible entre les deux formations. Le match retour promet d'être passionnant en tout cas. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann.
Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Bernabéu. Pierre Ménès est à mes côtés, très heureux lui aussi. Alors place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. Real Madrid face à l'Evante. Alors mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Voici la composition du Real Madrid. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. La composition de l'Evante pour cette rencontre. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. On cherche la brèche en faisant tourner. Rafael Varane vient reprendre ce ballon. Ça devient... La passe en profondeur, attention. Jean-Félix. Ouais, le bel arrêt. Le bon arrêt du gardien, alors qu'on la voyait déjà au fond. Ouais, peut-être, mais le gardien a fait ce qu'il fallait pour gagner ce duel. Van Dijk. C'est marqué, c'est peut-être qu'il n'est pas cadré. Et il faut dire qu'il a été aussi gêné. Hein. Oui, il a été bien marqué. La défense ne s'est pas fait surprendre. Le joueur a surveillé de près. 3 buts sur ses 3 derniers matchs, il est en jambes, on le voit. Et vu son état de forme actuel, je ne serais pas étonné de le voir s'illustrer à nouveau aujourd'hui. João Félix. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Ah, mais pas cette fois, là, le ballon est perdu. Ouais, pas trop le choix, le pressing les a contraints à mettre ce ballon en touche. Ah, il va centrer. Et la défense qui se dégage. Ouf, bien joué. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah ouais, bien défendu. Un groupe qui fait plaisir à voir, hein, Pierre. Les résultats sont là, les supporters sont présents, ils sont contents, ils sont derrière l'équipe. L'ambiance est bonne partout. Les 30 derniers mètres. Il donne un ballon piqué. Ça passe au-dessus de toutes les têtes. La touche, et qui sera pour le Real. Virgil van Dijk. Le ballon qui change de possession. Cherche une solution là. Ouais, lumineux cette passe. Cherche une solution. Le ballon contré par le défenseur. Federico Valverde. Ah oui, la bonne passe. L'ouverture. Corner, belle occasion. On prend l'avantage pour cette équipe. Ouais, bien tiré ce corner. Et on crée le danger sur ce corner. Trop de précipitation. C'est cadeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, quel but! Oh, il a fait de la puissance pour marquer de si loin. En tout cas, ça donne de magnifiques images. Regardez son équilibre au moment de la frappe. Il rentre bien dans le ballon. Et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance. Il mérite toute la puissance qu'il met dans ce ballon. L'équilibre parfait au moment de la frappe. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Avec des chiffres de possession de balles, pas super brillants pour le Real Madrid. Mais au moins, cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Et on dirait qu'elle va faire bloc pour préserver son avance. C'est une perte de balles pour le Real.
tir, bien sûr. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Panami. Il essaye de trouver la faille. Ouais, dans la boîte, il y a du monde. C'est pas très bien dosé hein, comme centre. Moses Simon. Robert Pierre. Il va ramener le jeu dans l'axe. Ballon qui est rendu au camp adverse. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, c'est pour son partenaire, c'est bien joué. Oh, la faute, penalty. Faute dans la surface. Oh, l'entraîneur est foudra, jamais les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Un penalty, penalty. Penalty et expulsion, c'est la totale. Ouais, Pierre, c'est dur. Hein. On voit qu'il connaît bien une faute hein, sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé, la faute est nette. Hein. Le joueur qui n'a pas tremblé sur ce penalty. Un gardien qui doit s'incliner sur ce penalty. Car regardez, on est dans le but pour apprécier ce but. Il est plutôt content l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Ça fait donc début d'écart maintenant, 2-0. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant, le score pour le moment 2-0. Et le replan sur le joueur qui paye. On est à la moitié du chemin, c'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Allez, dans le couloir. Ah, elle a lutté, après on peut reprendre ce ballon. Et au programme, ce sera la demi-finale retour de l'UEFA Champions League avec cette rencontre. Le Real Madrid affrontera le FC Barcelone à l'extérieur. C'est une rencontre de Champions League qui s'annonce intéressante, évidemment. Un ballon rendu carrément à l'adversaire. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Bah, ce serait pas mal, oui. Robert Pierre. Ah non, le ballon est perdu. Pierre, vous pouvez peut-être nous rappeler qui sera le prochain adversaire de l'Eventé. Le club trouvera sur sa route l'Atlético Madrid pour cette rencontre. Ce sera à l'occasion d'un match de championnat espagnol. Deux équipes qui se valent et, à mon avis, ça va se jouer à pas grand-chose. João Félix. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aimer ? Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Selon la presse, il y aurait un gros transfert qui serait en préparation. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur. Attendons d'y voir un peu plus clair pour nous prononcer, Hervé. Ouais, bien vu le centre. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On voit ce but. Un joueur qui, quand même, profite des largesses hein, du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. On voit l'entraîneur assez déçu que les joueurs aient encaissé ce but. À lui de les encourager et d'éviter d'en prendre un autre.
Le joueur qui sort en saluant ses supporters. J'ai trouvé bon, moi, je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur fait sortir. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Sadio Mané. On cherche une solution. Et il y est ! Oh le but ! Un nouveau but pour le Real. Ça fait 2 buts d'avance pour les Merengues. On voit ce but et qui arrive dans la foulée du précédent. Ils ont profité du relâchement de l'adversaire qui a encore la tête à son but, on le dit souvent. Le réalisateur qui remontre ce but. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Eden Hazard. Cherche une solution là. Prends sa chance. Oh, l'énorme plongeon. Il écarte le danger, Pierre. Ouais. Federico Valverde. Mauvais dégagement là, attention. Ah oui, c'est très net, coup franc. Vendu à l'adversaire par les Madrilènes. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Hernani. Ouais, faute, l'arbitre a tout à fait raison. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche des solutions là. Une ouverture bien sûr. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Elle n'ira pas au bout cette contre-attaque. Il faut trouver une option disponible. C'est une perte de balle pour le Real. En profondeur. Magnifique le gardien, il a pris la bonne décision hein, sur cette passe en profondeur. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Pas vraiment inquiété, alors il continue. Attention, attention, c'est dangereux ça. Elle touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Federico Valverde. Encore une bonne passe. Très mal donné hein, ce ballon. Mané. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Moses Simon. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. On poursuit son action. Allez, il lève la tête pour le centre. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Voilà, il n'y aura pas eu de surprise finalement. Il s'impose. Après avoir joué, on le rappelle quand même, en supériorité numérique. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match. Et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui, avec un doublé en plus. C'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.